Ladies and gentlemen, I should like to welcome the President of Peru, Mr. Ollanta Humala, on his first visit to the institutions of the European Union. The President's visit has given us a good opportunity to build upon the excellent relations between the European Union and the Republic of Peru. The Union is one of the top trade partners of Peru and the most important foreign investor. The Union is also the largest provider of foreign aid to Peru. We have regular policy, dialogue and cooperation in many areas, from social inclusion to security and to a fight against drugs. Monsieur, je voudrais ici donner la bienvenue au président du Pérou, Monsieur Ollanta Humala, lors de sa première visite aux institutions de l'Union européenne. La présence du président Humala a été une excellente occasion pour pouvoir développer les excellentes relations qui existent entre l'Union européenne et la République du Pérou. L'Union européenne est un des principaux partenaires commerciaux du Pérou et l'investisseur étranger le plus important. Et l'Union européenne est également apporte une aide étrangère importante également au Pérou. Nous avons un dialogue politique important et dans différents domaines comme celui de l'inclusion sociale et la sécurité ainsi que la lutte contre les drogues. And today's meeting comes at a timely juncture to reflect our bilateral relations. The Council of the European Union just recently approved the signing of a free trade agreement, which we concluded with Peru and Colombia in 2010. Alors, la réunion d'aujourd'hui tombe à pic dans le développement de nos relations bilatérales. Le Conseil de l'Union européenne vient juste d'approuver la signature d'un accord de libre commerce qui a été conclu avec le Pérou et la Colombie en 2010. We have noted the ongoing efforts to ensure the ratification and implementation of the trade agreement, and we both recalled its significant potential in boosting trade relations and in new investments. Politically, the agreement will strengthen the EU's ties with Latin America and underline that our partnership is based on the respect of democratic principles, human rights, and the rule of law. In short, I remain convinced that this agreement is important and that it will bring mutual benefits. Nous avons constaté ensemble les efforts permanents pour garantir la ratification et l'application de cet accord commercial. Nous avons rappelé son importance dans le développement des relations commerciales et des investissements de l'Union européenne. Politiquement, l'accord renforcera également les liens de l'Union européenne avec l'Amérique latine et renforcera notre relation sur la base du respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit. En résumé, je suis convaincu que cet accord est un pas important et qu'il aura des bénéfices mutuels. Peru is a good example of the country of a country that has succeeded in overcoming a severe economic crisis. It is now one of the fastest growing economies in the world. I commend it the President for his efforts to enhance economic development and promote social inclusion of all Peruvians. Alors le Pérou est un bon exemple de pays qui a réussi à dépasser une crise économique importante. Il s'agit d'une des économies en croissance les plus importantes au monde. Et j'ai ainsi pu féliciter le président Humala pour les efforts dans le développement économique et la promotion sociale visant à inclure tous les Péruviens. I reiterated the EU's support for a new comprehensive anti-drugs policy of the Peruvian government. The Union will help Peru politically and financially to tackle the growing challenge of production of illicit drugs and narco-trafficking, which directly affects also Europe. I also took note of President Humala's commitment to address the social and environmental concerns related to mining projects in cooperation with indigenous and local people. J'ai renouvelé le soutien de l'Union européenne à une politique anti-drogue globale.
global tel que mené par le gouvernement péruvien. L'Union européenne soutiendra le Pérou politiquement et financièrement pour faire face à ce défi important de la production de drogues illicites et de trafic de drogue qui, bien évidemment, touche également l'Europe. J'ai également pris note de l'engagement du président Humala de faire face aux préoccupations sociales et environnementales des projets miniers en coopération avec les communautés locales et indigènes. And finally, we exchange views on prospects for regional integration in Latin America and relations between our two continents. We both underlined our support for further regional integration and for strengthening the strategic partnership between the European Union and Latin America. Finalement, nous avons parlé de l'intégration régionale en Amérique latine et des relations entre nos deux continents. Nous avons souligné notre soutien à une intégration régionale plus forte et à un renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Amérique latine. I look forward to further discussions with President Humala next January at the summit between the European Union and the community of Latin American and Caribbean States. Thank you for your visit to Brussels and we'll see each other again on your continent. Donc j'espère avec intérêt la poursuite de ces conversations avec le président Humala en janvier prochain au sommet entre l'Union européenne et la communauté des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci beaucoup, monsieur le président, de votre présence ici à Bruxelles et j'espère vous rencontrer à nouveau sur votre continent. Muchas gracias. Hoy día estamos aquí representando al Perú y la Unión Europea para dar un paso importante que es un proceso de integración regional entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Para nosotros esto es importante porque Europa es uno de los socios más importantes que tenemos en inversiones directas en el Perú. Y creo firmemente de que este proceso va a beneficiar tanto a la Unión Europea como al Perú. Donc, merci à vous de votre présence. Je suis ici donc au nom du Pérou et nous considérons que l'Union européenne a fait un pas important avec cet accord d'intégration régionale entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou. L'Union européenne est un partenaire extrêmement important dans le domaine des investissements directs au Pérou et je crois que ce processus va se renforcer avec l'accord qui est en train d'être signé entre nos deux régions. Quiero agradecerle personalmente la amabilidad de habernos recibido y nos sentimos más comprometidos todavía para seguir trabajando y ser un socio útil para la Unión Europea y que también de esta manera podamos beneficiar a los pueblos de Latinoamérica. Donc je voudrais vous remercier personnellement, Monsieur le Président, de m'avoir reçu. Mon engagement est encore plus fort pour continuer de travailler dans le sens du renforcement de nos relations et pour devenir un partenaire utile également pour l'Union européenne et en sachant que cela bénéficiera également au peuple d'Amérique latine. Tenemos muchas coincidencias, la importancia de la inclusión social, la importancia de mantener el respeto al Estado de Derecho y al orden jurídico, la importancia que se le tiene que dar a la educación, a la cultura, son temas que obviamente nos unen más. Il y a entre l'Union européenne et le Pérou de nombreux points qui nous rapprochent. Nous accordons tous les deux une grande importance à l'inclusion sociale, au respect de l'état de droit, à l'importance de l'éducation et de la culture, et tout cela, bien avant, nous rapproche. Y como lo mencionó el señor presidente, tenemos también retos comunes que abordar juntos, como es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza.
Et comme Monsieur le Président l'a dit également, nous avons également des défis communs. La lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté. Por lo demás, solamente me queda decirles muchas gracias y espero que este año se concluya todos los pasos que todavía faltan darse en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo multipartes. Muchas gracias. J'en termine en vous remerciant également à tous et en mettant le vœu que cette année, nous puissions donner les pas qui manquent encore, notamment au Parlement européen, pour que l'accord entre nos deux régions puisse être une réalité. Merci. Merci. Merci.